Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Moi, c'est Lise de l'entreLise et bienvenue à mon podcast. Je suis teinturière de laine. Ma marque, c'est Trilise et je suis à Athènes, en Grèce. Et je suis très excitée de vous accueillir à mon nouveau studio. Ça paraît pas très différent hein, comme ça. Oui, je sais. Mais bon, on est à un nouveau emplacement, mon nouveau studio, et qui est beaucoup plus petit que l'ancien. Il y a des moments où je me sens un peu plus coincée, mais c'est très bien, c'est beaucoup plus cosy, c'est très chaleureux, c'est très mignon. Je vais essayer de prendre quelques petites vidéos pour vous montrer, mais pour le moment, il y a encore un peu de bazar un peu partout, mais ça va aller. Je vais y arriver. Yes! Donc, je voulais commencer ce podcast en remerciant tout le monde qui a pris de la laine ce mois-ci pour m'aider à mon déménagement, qui ont utilisé le code Moving Trilise pour un 15% off de leur commande. Et j'étais vraiment, vraiment très touchée de votre soutien à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est quand même assez émouvant et ça fait un peu peur de ne pas vous voir travailler pendant un long moment. Mais me revoilà. Je voulais vous rappeler que le code il sera là jusqu'à la fin du mois de mars. Et depuis hier, j'ai mis des précommandes sur le site. Donc, vous pouvez même précommander votre laine avec un moins 15% de votre commande jusqu'en fin de mars. Sinon, les précommandes seront sur le site jusqu'au 4 avril. Yes! Donc, puisque je commence à parler de ce qui est à faire avec Trilise, et après je vais vous montrer mes projets, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc., je veux aussi vous annoncer que de nouveaux coloris sont là. Donc, c'est les deux couleurs, les deux coloris que j'avais dans ma box d'été l'année dernière à l'occasion de mon anniversaire, et c'est Fresh et Peonies. Donc pour le moment, il y en a trois de chaque sur ces bases, donc Poséidon et Arès, qui est ma base soc, et vous pouvez les commander et ils sont prêts à partir. Sinon, vous pouvez précommander pour le moment Fresh. Parce que Peonies, je ne l'ai pas encore dans une base normale, entre guillemets, hein, une fingering, etc., pour bien montrer comment les couleurs vont être placées. Parce que ces parties un peu plus jaunâtres vont être plus comme des speckles dans une base comme ça, non poilue. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait comment dire, pas des malentendus, mais une autre pensée que ce que le coloris serait dans une autre base, tandis qu'une base comme ça, la commander en mohair, c'est un peu plus facile. Les gens, ils arrivent mieux à s'imaginer qu'est-ce que ça va donner que cette base-là, ce coloris, en voyant cette base dans une base fingering. Bref, peut-être que je me brouille trop, mais je vais essayer de le teindre. Je ne sais pas quand, dans une base non poilue pour vous montrer, pour pouvoir vous l'offrir en précommande. Mais sinon, si vous le voulez, vous n'êtes pas tellement perturbé, etc. Si vous les péonisez, envoyez-moi un message et je vais essayer de faire ça. D'accord? Donc voilà, donc Fresh and Peonies, deux nouveaux coloris prêts à partir. Et il y a les précommandes avec Moving Trilise, moins 15%. Et un dernier point pour les laines Trilise. Donc, avec le déménagement, j'ai retrouvé des laines que j'avais filées moi-même. J'ai retrouvé, je ne les avais pas perdues, mais c'était quelque chose que je voulais tout le temps vous reproposer. Au tout début, je proposais mes laines filées à la main. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient les laines filées à la main, ils avaient peur trop de ça. Et bref, il n'y avait pas beaucoup non plus de gens qui filaient aussi, ou pas autant. Donc, j'ai des laines que j'ai filées à la main, qui
bien sûr, parce que j'aime pas filer bien le bon diamètre partout, c'est un peu comme des art yarns. Donc l'épaisseur varie, grossit. C'est des plus petits échevaux parce que ça dépend combien de fibres on a. Ça peut être des échevaux avec des mèches de moutons ou de chèvres, avec un peu plus ou un peu moins. Bref, ça peut être beaucoup plus artistique, coloré. Regardez, même celui-là, il y a mon tout premier logo, les deux mouettes avec Trilly sur, sur les ailes. Et bref, avec ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des cols ou des chapeaux. Mais ce que moi, j'adore, c'est que quelqu'un utilise, par exemple, une laine normale, entre guillemets, et par moments, des petits points comme ça, tout coloré, tout texturé, jouer un peu avec les diamètres des laines, etc. Faudrait que je tricote aussi pour vous montrer certaines choses, mais j'en ai, et ça, c'est juste une partie. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait de la laine filée à la main et si ça vous intéresserait que je mette plus de fibres à mon site. Les fibres peuvent venir dans cette forme. Ça peut être aussi des mèches de mouton. Ça, c'est du Easy Dale. Et ça, c'est du Wensley Dale. Et oh, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est des races de moutons. Soit, ça peut être des mouchoirs, entre guillemets. Ils appellent ça des mouchoirs de soie, qui est super soyeuse. En fait, c'est des cocons qui ont été étirés sur cette forme, des petits carrés. Et donc, chaque petit carré peut être ressorti. Et vous voyez, c'est tellement fin. Et on file avec. Et c'est super beau. C'est super soyeux. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment ça reflète le soleil, la lumière. Donc, et j'ai beaucoup, beaucoup plus de fibres pour faire des bats avec ma cardeuse. Et j'en ai quelques-uns, mais je n'ai pas eu le temps de prendre des photos. Mais je vous demande, avant de commencer à prendre toutes les photos et faire tout un bazar, est-ce que déjà ça vous intéresserait? Dites-moi, je serais très très contente, très curieuse de savoir si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse vraiment, ben je vais faire ça plus rapidement. Yes! Ok, donc, maintenant, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que mon bandeau Simone a été retrouvé. Yes! Mon bandeau n'est pas perdu! Mon bandeau n'est pas perdu. Donc, mon amie a retrouvé mon bandeau dans sa voiture. Et voilà. Donc, mon bandeau, il jouait à cache-cache. Mais maintenant, il est plus caché. Yes! Trop contente. Mais je n'ai pas encore vu mon ami, donc je ne l'ai pas pour le moment avec moi. De nouveau avec moi. Mais voilà. Il n'est pas perdu. Et c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Yes! Donc, mais j'ai un projet fini et comme par hasard, c'est un chapeau. Ouais. Donc, je n'étais pas supposée commencer des chapeaux, mais Sarah de la Cavalaine a envoyé son nouveau patron sur Instagram et il s'appelle There is Happiness. Et le voici. Et bien sûr, j'étais... Waouh, Sarah, il est trop bien, tout ça, ça me donne trop envie de prendre tous les mélanges, toutes les couleurs, ou même avec une couleur, ou je sais pas quoi. J'étais carrément excitée. Et je lui ai dit bravo, bravo, je l'ai envoyé aussi sur My Stories, etc. Et j'ai même pas eu le temps d'aller prendre son patron qu'elle me l'a envoyé. Elle m'a dit merci beaucoup d'avoir partagé, etc. Et je dis mais non, mais c'est trop bien et je vais faire plein de trucs. Et donc j'avais pas réalisé, bien sûr parce que je n'avais même pas ouvert le patron, que en fait elle utilise deux brins de fingering de la même couleur pour chaque étape du bonnet. Mais moi. Déjà, j'avais comme idée d'avoir un fingering avec un mohair. Et je m'étais dit, ça va être trop cool parce que je me suis dit, si c'est, je vais garder tout le temps le même mohair avec différentes couleurs. Et comme ça, ça va vraiment montrer comment le mohair joue avec le contraste des autres couleurs. Yes, good idea, hein? Et donc, le bonnet, il s'appelle There is Happiness Hat. Moi, bien sûr, dans ma tête, j'avais seulement un Happiness Hat.
Donc, j'ai partout tagué le patron Happiness Rat, mais bon, ça fait rien. Les gens, si vous mettez Happiness Rat et la cave à laine, vous allez le retrouver sur Ravelry. J'étais en route pour aller à la maison. Et donc, le temps que j'arrive à la maison, j'étais « Ah, je pourrais utiliser ça et ça et ça ». Et puis, je suis arrivée à la maison, j'ai sorti tous mes restes de laine, etc. Ou des cakes que j'avais fait sans vraiment savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai mis des petites piles de différentes couleurs ou coloris, des combos que je voudrais faire. Et donc, bien sûr, j'ai dû commencer par le plus fun. Yes! Donc, ça, c'est « There is happiness ». Hat. Donc, le mohair que j'ai utilisé dans tout le chapeau, c'est Confession. Et sinon, c'est le mauve, c'est Careless Whisper. Le vert, c'est Smells Like Teen Spirit. Ici, on le voit presque pas du tout, mais il y a un jaune avec des speckles que c'était un one of a kind, je crois. Après, j'ai Manawi, un autre one of a kind, une série limitée. Et puis après, c'est Kir Royal. J'en avais juste un petit bout et donc j'avais remis Careless Whisper au fin fond. Ce qui est très amusant, c'est que le vert et le jaune qu'il y a ici, on voit presque pas du tout la différence. Et on voit comment le mohair de Confession a vraiment pris le dessus partout. Là où il y a les jaunes, on voit le pooling jaune du mohair et les verts et les mauves. Et franchement, je l'adore. Franchement. Donc, surtout les laines très colorées, et surtout dans des petites circonférences, ça va faire du pooling et ça va faire des zigzags que peut-être qu'on n'aime pas. Je trouve que ça, c'est un effet très cool dans le mohair et avec les bruns des autres couleurs. Je sais pas, je l'adore, franchement. En plus, et surprenant, mais super, super cool. Pas surprenant parce que, bon, on le sait, le mohair, c'est chaud. Mais sur le moment où je l'ai fini, il y avait beaucoup de vent dehors. Et je mettais mon autre bonnet qui est un simple déca. Et je dois vous dire que le bonnet déca, hein, franchement, avec un bonnet fingering et mohair, c'est pas très chaud. Hein. Ça... Il a été mon héros ces derniers jours. Je l'adore, il est trop beau. Celui-là, There is Happiness Rat, est celui que je porte maintenant, qui est un déca avec un mohair, qui en plus, je le tourne, alors ça fait double chaleur. Et je suis super contente, oui, parce que j'ai... Si vous ne le savez pas, j'ai des sinusites, j'ai des maux de tête assez souvent. Et donc là, avec l'air, le vent du nord ces derniers jours, ça a été glacial. On a eu encore de la neige la semaine dernière, mais aujourd'hui, on a 12 degrés et demain, ils annoncent 23 degrés. Yes! Le printemps est là! Oh là là. Bref, donc entre-temps... En cherchant mes couleurs pour ce bonnet, j'ai trouvé ce coloris. Et ce coloris, elle est où? Ah, elle est là. Et ce coloris, c'est le couleur contrastant pour le talon d'une chaussette que j'avais fini la première, ça fait, je sais pas, peut-être même une année, mais je ne trouvais plus la couleur contrastante plutôt. Et j'ai retrouvé la couleur contrastante. Alors je me suis dit, ah ben maintenant je vais retrouver les chaussettes, comme ça je vais les mettre ensemble et je vais la finir. Bien sûr, je ne trouvais pas les chaussettes. Et après, en cherchant des aiguilles pour commencer mon bonnet, j'ai trouvé la chaussette. Et après, j'étais, il est où le... Elle est où la couleur? Elle est où la couleur? Et heureusement, ils sont ensemble, il n'y a pas de talon pour le moment, mais à un moment donné, il y en aura un talon. Voilà, ils sont ensemble. En finissant mon premier projet fini, et le seul pour le moment, je me suis dit qu'il est tellement bien ce patron, est tellement facile, que je vais commencer un deuxième. Le voilà. Donc,
avec mes restes de mon So Faded, qui est le fameux Fade Aloe Mora, en ma single base avec de la soie psychée, donc c'est des couleurs juste un peu plus pâles que le normal, je me suis dit, ben, je vais faire un autre chapeau. J'en avais déjà fait un, qui est dans les gris avec un mohair très clair, mais là, est-ce que ça vous semble gris ou marron? Et c'est parce que j'ai pris de fur comme mohair, qui est un marron avec du jaune orange, et donc les deux, le gris et le marron, ça donne un marron gris. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais là, je ne vais pas seulement changer les singles, je vais changer les mohairs. Ah, je suis trop excitée, trop excitée. Mais je pense que la majorité du bonnet sera dans le sombre. Après, le premier clair, c'est celui-là avec, tiens, il reste encore du gris, mais il y a du jaune, donc ça va être encore un peu. Et là, entre-temps, je vais changer dans Pollock en mohair. Et puis, à la fin du bout, donc après, il y aura ces deux. Et après, à la fin du bout, il y aura ça. C'est pas mignon? Ouais, je crois que c'est mignon, je crois que c'est une bonne idée. Et puis voilà, et si c'est pas mignon, et si c'est pas beau, ben ce sera ça. Et ce sera un bonnet que quelqu'un mettrait, et voilà. Bref, je sais pas, je suis en train de penser que ce serait sympa de voir à la fin combien de bonnets j'ai, et que peut-être dans la famille, on a tous le même bonnet avec des couleurs qui nous représentent, ou je sais pas. Je dis ça maintenant, mais pour le moment, celui-là, je l'aime trop. Mais j'ai un ami, Alex, qui d'habitude, lui, garde Dakai et Enzo. Et je crois qu'il l'aimerait aussi beaucoup. Donc, je ne sais pas. Je suis en train de penser que peut-être il l'aimerait comme cadeau. Ou je lui en ferai un autre pareil, à peu près pareil. Ou je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un peu plus de rose que j'aime d'habitude. Mais c'est un rouge fuchsia que j'aime bien. Donc, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Oh, je ne veux pas donner. Bref, donc, après mes deux encours en ce moment, ce sont des encours que vous connaissez. Je crois que oui, vous les connaissez. Donc, je voulais plus m'occuper de mes pulls. Donc, le pull Rug et le pull Newspaper Pullover. Le rug, il est très foncé, donc je l'ai mis un peu de côté. Et après, j'avais commencé un châle de Nathalie by Night, mais j'utilise un rouge très foncé. Donc, et la plupart du temps, en ce moment, je tricote le soir. Et donc, je l'ai mis de côté. Et donc, je tricote. J'avais castonné le Talia Shawl de Andrea Mori avec de la laine terroir de laine. Donc, c'est de la laine française. Avec leur coloris naturel sable. En fait, c'est des coloris selon les toisons. Il y a des toisons un peu plus blanches, d'autres qui sont un peu... La couleur est un peu plus sablée. Et donc, c'était celle-là que j'avais pris. Et j'avais teint mon coloris Heartbeat. Donc, voilà. Le châle Talia, qui est assez simple et très mignon. En fait, je n'ai pas un très grand câble. Je ne sais pas en ce moment, ils sont mes câbles. Il va falloir que j'y trouve. Je l'aime bien, il est simple. J'ai fait en ce moment 1, 2, 3, 4 de ces répétitions qui font comme des chevrons. Je crois qu'il y en a 7 au total, puis après il y a une bordure. Donc il y a encore de l'avant. C'est vrai qu'il y a un moment donné, je travaillais ce châle tous les jours, mais après j'ai commencé le chapeau, le bonnet. Donc pour le moment, il est un peu en pause, mais je vais le reprendre, ne vous inquiétez pas. Et après, je travaille aussi mon newspaper pullover que j'adore. Et ça aussi, c'est des couleurs un peu plus claires, donc ça me facilite pour le soir. Et je me suis dit que le châle, l'autre châle et le rug sweater, je pourrais les
le travailler bientôt après cela parce que voilà, la journée va grandir et je verrai un peu mieux en espérant que je pourrai travailler jusqu'à un peu plus tard. À une seconde, que je ne perds pas de maille quand même. Donc, le pullover sweater de Rohi Locatelli, c'est un pull en brioche toute simple. Je dois dire que c'est presque ennuyeux. Et moi qui adore la brioche. Bon, c'est aussi un peu les couleurs que j'ai choisies parce que je voulais un pull un peu plus sage en parlant de coloris. Mais que j'adore le résultat parce qu'en fait, même le coloris plus foncé qui est Freaking Bacon, il a des endroits qui sont plus clairs. Et c'est exactement le même coloris que Escape Now. Donc, ce qui donne un résultat de brioche qui est assez contrastant mais fondu en même temps. Surtout peut-être cette partie ici qui fait aussi un petit pooling. Mais j'adore. Je trouve que ça donne un résultat très sympa. Et donc, voilà, ici, voilà, en le mettant sur moi, ça donne l'impression que c'est un cropped, c'est un pull normal, donc il va beaucoup plus bas. Mais en ce moment, je fais le size medium. Et donc, c'est préconisé des échevaux de chaque couleur. Là, je suis à la fin de mes premiers échevaux. Donc, je me suis dit que je vais aller jusqu'à la fin de mon corps. Et après, avec les deux autres, finir les manches d'abord et après revenir avec tous mes restes pour finir le corps et les manches, les finitions. Peut-être que pour les finitions, ça va dépendre de la laine que j'ai. Peut-être que je vais choisir un autre coloris, je sais pas, pour que ça le fait un peu plus fun ou pas. J'ai pas encore décidé, mais je suis très très contente de mon choix. Et je serais très contente d'avoir ce pull un peu plus sobre en couleur, mais très intéressant. Et voilà, j'adore. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous allez trouver cela intéressant. Puis voilà, je crois que j'ai presque tout dit. À part tout mon déménagement, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? J'ai commencé un nouveau cours de breathwork, donc c'est des exercices de respiration pour pouvoir faire différentes choses. Le plus important, c'est de se calmer, de pouvoir débloquer certaines choses en soi. Donc, je trouve ça très, très intéressant. C'est super cool. Donc, j'ai des cours chaque dimanche matin et après-midi. J'essaye tous les matins de faire ma séance de yoga et de méditation. Et si jamais je n'ai pas trop le temps pour vraiment me poser, je vais faire des exercices de respiration. Ce qui est assez bien et que je trouve que ça me fait beaucoup de bien pour me mettre et commencer ma journée dans un esprit de bonheur et de sérénité, que j'aime bien ça. Ensuite, j'ai eu quelques sessions d'hypnose, c'était super intéressant et voilà, j'ai beaucoup aimé et je trouve incroyable que les gens me choisissent pour faire cette petite aventure avec eux. Et donc, c'est super cool. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un message et me suivre sur Outside the Box, mon Instagram d'hypnose. Et sinon, j'ai fini un bouquin de fantasy que j'avais sur mon Kindle depuis très longtemps et que, voilà, c'était cool. Je ne me souviens plus du nom, je suis vraiment désolée, c'était Sky in the Deep ou je sais plus, mais bref, ça fait une semaine que j'ai commencé le premier bouquin de The Wheel of Time, donc il s'appelle The Eye of the Word. Comme vous pouvez voir, c'est très petit, mais voilà, la semaine dernière je lisais un peu, ça va, c'était
le début, on rencontrait les personnages, etc. Mais depuis avant-hier, je dois dire que j'ai lu beaucoup. Je suis presque à la page 200 des 770. Mais j'aime beaucoup. Et bon, c'est le premier bouquin d'une série de 14 bouquins. Donc voilà, bonne chance. Mais j'ai vu... Je pense que quand je serai dans les 600-650, j'achèterai le prochain. Mais j'ai vu que ça va être une série où il y a la première saison d'une série sur Apple TV, donc TV Plus. Et donc maintenant, ils ont changé toutes les couvertures des bouquins. Et je suis, non, pourquoi? Pourquoi quand je commence une série, ils changent les couvertures des bouquins? Donc je crois que je vais prendre les prochains, les nouveaux. Couverture, même s'il y a maintenant TV série, j'aime pas ça quand ils mettent ça sur les bouquins, mais bref, mais je les trouve très jolies les nouvelles couvertures parce qu'elles sont plus colorées en fait. Et bon, et au fin fond, après, je peux prendre si je veux avoir la collection des mêmes couvertures, le premier bouquin des nouvelles. Bref, je suis tellement une geek pour des trucs comme ça, franchement. Bref, ouais. Moi qui ne pense pas du tout être perfectionniste, c'est quelque chose ça qui me dérange. Je sais pas, c'est une collection, je veux que ce soit le même quand même. C'est difficile, hein? Bref. Maintenant, j'ai pas montré mes nouvelles étiquettes au podcast anglais. Vous avez vu mes nouvelles étiquettes? Est-ce que vous les aimez? Dites-moi. Je vais vous les montrer. Bon, j'en ai quelques-unes ici, juste à côté de moi. Donc voilà. Donc, la différence des nouvelles étiquettes sont qu'elles sont imprimées. Ah oui, c'est presque transparent. Et donc, c'est trois couleurs, donc deux oranges et l'une rose. Et donc, c'est des oranges fluo, mais l'un plus que l'autre. L'un plus que l'autre, bref, je sais pas, voilà. Et l'autre, c'est un fuchsia. Moi qui n'aime pas le rose, hein, vous avez vu? Yeah! Donc voilà, je sais pas lequel est mon préféré. Je les aime tous. Mais voilà, donc les prochains... petit à petit, tous les écheveaux Trilise auront une étiquette comme ça. Et je dois dire que c'est très pratique comme bookmark, comme... Parce que vous voyez, je peux voir à travers et ça m'ennuie pas. Et j'ai aussi mon marque-page. Voilà. Bref, maintenant, je vous ai tout montré et tout dit. Beaucoup de bisous. N'oubliez pas, Colors Power, Fiber is our weapon. Et bisous.